Monsieur Cazalet, vous pouvez nous expliquer pourquoi on a retrouvé vos empreintes papillaires ainsi que votre ADN sur le châssis de la fenêtre par laquelle la fillette a été enlevée? Non, il doit y avoir une erreur. Faudrait vérifier ça. Ah, on a vérifié. Grâce notamment au relevé d'empreintes et d'ADN auquel vous êtes soumis en arrivant. De votre plein gré, d'ailleurs. Il y a 12 points de concordance, monsieur Cazalet, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'erreur possible. C'était à Grâce? D'accord. Ça y est, j'ai compris. En fait, ça doit être ma cliente de l'aéroport. Quand on est arrivé chez elle, elle avait pas assez de monnaie, donc elle m'a demandé de rentrer chez elle juste pour prendre de la monnaie. Et d'habitude, je fais pas ça. C'est interdit, mais on avait discuté ensemble. Je suis rentré chez elle, je suis allé aux toilettes. Et à un moment, j'ai vu une fenêtre, j'ai tout de suite repéré que c'était une fenêtre Luméneuve. Avant d'être taxi, j'ai bossé pour une boîte qui vendait des fenêtres dans toute la France. Il est arrivé quelque chose à sa petite fille. Vous êtes rentré chez votre cliente de Grâce? Oui, je viens de vous le dire, ouais. Mais ça non plus, vous n'avez pas cru bon de nous le dire hier. Non, hier, je vous l'ai pas dit parce que sur le moment, ça m'a pas paru important. Je pensais pas que c'était important, putain.